Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour la 187e vidéo de mission sur Final Fantasy VII Crisis Core. On s'attaque aujourd'hui à la dernière mission, il s'agit de l'ombre du parrain. Donc la dernière mission bien évidemment de la catégorie recherche d'objets précieux, j'espère pouvoir la terminer. Vous avez vu un petit peu la difficulté de la mission précédente avec un Xylomide surpuissant. Ici vous avez des objets et équipements assez intéressants à avoir, toutefois c'est quand même pas des trucs non plus extraordinaires. On a une tenue puissante donc que je vais vous présenter en fin de mission. Ici, donc une tenue puissante, je sais plus si j'en ai déjà eu une, on verra ça parce que il me semble que j'ai déjà récupéré des tenues en fait qui vous augmentent énormément certaines de vos caractéristiques et en baissent d'autres, donc c'est à voir, on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc vous avez une tenue puissante derrière vous quand vous commencez la mission, vous revenez au point de départ et vous tournez à droite et vous avez un légume de Guissal donc qui permet d'augmenter la chance à la fusion de matériaux, donc très très utile bien évidemment. Donc ici, voilà, hop. Donc ensuite le troisième coffre c'est un mithril, donc je me rappelle jamais à quoi ça sert, si c'est pour augmenter le psychisme à la fusion de matériaux ou si c'est autre chose. Donc je vais pas trop m'avancer, je vais le prendre et je vous montrerai ça en fin de mission. Donc en dernier coffre, donc on en a 4 à récupérer, vous avez une adamantine donc qui permet, celle-là j'en suis sûr, d'augmenter la résistance à la fusion de matériaux. Donc très très utile de l'avoir en pas mal d'exemplaires, donc hop, le mithril. Et on va se diriger vers le quatrième coffre, l'adamantine plus le boss. Donc je sais pas exactement ce que ça va donner, je vous avoue j'ai un petit peu peur, on est sur la dernière mission. Et j'ai hâte de voir un petit peu qu'est-ce que ça va être comme boss. Donc déjà le boss précédent c'était pas de la tarte. Donc là d'ailleurs j'ai encore ma capacité vol, donc je vais à la rigueur essayer de voir un petit peu ce que vous pouvez lui voler, ça pourrait être intéressant. Ah oui d'accord, ok, donc là c'est un behemoth de malade. Donc il faut être prudent parce que avec cet ennemi là, le dernier behemoth que j'ai rencontré en tant que boss... m'a envoyé Ultima dès le début du combat. Donc en plus c'est des ennemis qui sont très réactifs au niveau des coups physiques. Donc ce que je vous conseille c'est de prendre deux Shinra Gamma, l'histoire d'avoir une résistance à 218, d'être au moins assuré d'être en vie au niveau des coups physiques et d'être tranquille par rapport à ça. Une boule de cristal pour résister quand même aux attaques parce qu'à mon avis il va nous balancer un Ultima, c'est sûr. Donc vous avez le bonus de vie qui est en haut à droite. Une Materia écran que je vais balancer dès le début du truc. Je vais essayer de le voler, on va voir ce que ça donne. Donc voilà, un petit peu ce que j'ai pris comme truc. Je vais par contre voir si... Ouais, mes PV sont au maximum, c'est bon. Donc là, je vais me mettre écran tout de suite sur moi. Hop, écran. Donc attention à l'attaque physique qui est largement esquivable aussi, hein. Donc là c'est Nyx qui sert absolument à rien, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Deux plumes de gros chocobo de choper, ça c'est super. Donc là hop, vous enchaînez les coups physiques. Donc dégâts plus, attention, ça à mon avis ça va faire très mal. Donc voilà, là il faut bien se protéger contre les petits coups physiques. Dégâts plus encore, oh là là, à mon avis s'il met une latte ça va faire très mal, voilà, comme je vous le disais. Donc là j'ai 200 et quelques de résistance, hein, et vous avez vu que ça m'a mis du 7000 quand même. Donc heureusement que j'avais mes PV au maximum. Donc là j'espère en pouvoir en terminer rapidement. Donc hop, voilà, on chope une plume de gros chocobo au taux de drop faible si vous avez de la chance. Et 10 boissons de héros, 10 boissons de héros en fin de mission qui permettent d'augmenter l'attaque à la fusion de matériaux. Donc pas mal de trucs quand même pour augmenter au niveau des fusions de matériaux. On en a terminé avec cette catégorie recherche d'objets précieux, c'est pas un boss qui est trop compliqué, hein, comme vous pouvez le voir, en se protégeant bien. Une résistance à 218, un petit écran en début de mission, l'histoire d'avoir barrière et barrière magique sur soi. Un petit vol, bien évidemment, pour choper deux plumes de gros chocobo. Et bah, du coup, qu'est-ce que je vous ai à vous montrer? Bah, la tenue puissante que j'ai encore chopée ici, parce que j'en ai déjà eu une. Alors, la tenue puissante, c'est conçu uniquement pour le combat rapproché. Vous voyez que ça monte de 100 l'attaque, de 20 la résistance. Par contre, ça baisse de 50 la magie et de 50 le psychisme. Et ça baisse les PM et les PA. Donc, à utiliser vraiment si vous voulez jouer sur la force brute et pas sur l'attaque et ni sur la résistance magique. Donc, qu'est-ce que j'avais d'autre à vous montrer? Donc, vous avez vu, et ça c'est très très important, que le boss, en le volant, en fait, vous pouvez choper des plumes de gros chocobo. Soit deux, en fait, à chaque fois que vous le volez. Donc, ce qui est très très intéressant à faire, c'est de farmer des plumes de gros chocobo. Si vous le souhaitez, hein, bien évidemment. Parce que c'est, et surtout si vous envoyez l'utilité, parce que je vous l'ai déjà expliqué, les plumes de gros chocobo permettent à la fusion de matériaux d'augmenter le bonus de PV. Donc si par exemple vous mettez deux bonus PV, je vais prendre un truc au hasard comme ça, et qu'ensuite vous mettez des plumes de gros chocobo, sachant que j'en ai 34. Donc en farmant une petite heure, je pense que je, même voire 2-3 heures, je pense que je peux monter au-dessus de 50, par exemple plumes de gros chocobo, et en mettant juste 34, et en...
et que vous fusionnez, vous voyez que je monte à un bonus de PV de 390. Sachant que par exemple, si je mets mon bonus PV qui est juste ici, et par exemple la materia saignée que j'ai sur moi et qui a PV plus 500%, bien évidemment, ça va la monter à presque 999 de PV en plus. Donc voilà, dès que vous avez débloqué cette mission, vous pouvez commencer à farmer des plumes de gros chocobo et monter vos PV à 99 999. Donc en s'en sortant bien, si vous mettez par exemple la fixation de la limite de PV, donc je sais pas si on l'a, oui, avec la gourmette d'adamante, vous fixez vos PV à 99 999 et vous voyez que là par exemple j'ai 28 590 PV en associant juste ce truc là. Donc c'est énorme. Donc ça c'est lié tout simplement au saigné X qui a PV plus 500%. Et en utilisant, enfin en fusionnant cette materia là avec une autre materia, par exemple ma materia de bonus PV plus, et en mettant des plumes de gros chocobo que je pourrais par exemple choper dans la mission l'ombre du parrain qu'on vient de faire, et ben vous pouvez en quelques heures monter vos PV à 99 999 ou alors à 50 000 et quelques. Dans tous les cas, vous pouvez vous booster vos PV au maximum comme ceci. Donc voilà pour cette vidéo sur l'ombre du parrain, la 187e vidéo de mission sur Final Fantasy VII Crisis Core. J'ai fait un petit supplément, je dirais, de vidéo pour vous introduire les petites astuces sur le boostage de votre personnage, sachant que maintenant c'est possible au niveau PV, puisque vous chopez maintenant des plumes de gros chocobo sur le boss de cette mission. Donc voilà, si vous avez des questions, des stratégies, des petites informations à rajouter, vous n'hésitez surtout pas à m'en faire part par commentaire. Si vous n'avez pas compris cette dernière partie de vidéo, ne vous en faites surtout pas, parce que vous verrez qu'un tout petit peu plus tard dans le jeu, je ferai des vidéos justement sur comment booster son personnage dans telle caractéristique, etc. pour que vous puissiez booster chacune de vos statistiques et devenir ultra puissant. Donc voilà, si vous avez des questions ou autres, vous n'hésitez pas par commentaire ou message privé, j'y répondrai avec plaisir. Et on se dit à tout de suite pour une nouvelle mission sur Final Fantasy VII Crisis Core.